il y avait le choix entre ça pouvait être du sportif ou du culturel. Je pense que les deux questions se posent et pour la suite, je pense qu'on se posera la question d'équipement culturel aussi. Mais le sportif, bon, ça touche une part plus large de la population, ça touche les jeunes. Et pourquoi la piscine et pas un autre équipement? Ben, je pense qu'il n'y avait qu'une seule piscine sur l'agglomération. Alors que si on veut faire un stade, il y en a dans chaque commune, c'est un travail plus long, ce sera plus compliqué de s'intéresser au football qu'à la natation. Donc ça me paraissait intéressant de commencer par une piscine. N'oublie pas aussi que nous sommes sur un territoire accueillant, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, on a besoin aussi toujours d'entretenir cette attractivité du territoire, donc, mais il va y contribuer aussi, hein. C'est un des 10 plus grands équipements français en matière aquatique, aqualudique, ben ça y participera aussi, même si la dimension sportive et apprentissage est bien sûr la première et fondamentale. Enseignement politique, mais au sens le plus important du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en commun, comment on fait pour animer un territoire au-delà de sa propre commune, quels sont les projets qui finalement nous portent vers le futur dans un esprit de partage. Aujourd'hui, il y a beaucoup besoin de partager. La société, elle se compartimente, on s'isole, on a tendance à revenir autour de son clocher de village. Je pense qu'un équipement comme celui-là, il nous fait nous ouvrir sur le monde. Voilà. Donc, c'est pour moi, c'était aussi une des raisons du choix de cet équipement. L'agglomération voulait ce projet. Nous sommes partis d'une page blanche et ce sont les élus qui ont donné matière à ce projet. On a réussi, avant que le chantier démarre, à insuffler des idées novatrices, un espace ludique, un bassin en inox, tout en inox, d'ailleurs tous les bassins sont en inox, olympique avec une modularité, des espaces extérieurs, un espace bien-être. Quand on a proposé ça, l'architecte ensuite a mis en place et a réalisé ce que nous avions imaginé, d'ailleurs il a fallu suivre le chantier. Et tout au long du chantier, j'étais présent, ainsi que les équipes de l'agglo, que je remercie, et nous avons essayé avec les nombreux corps de métier qui ont construit ce bâtiment. À peu près 30 entreprises étaient là et nous avions chaque lundi des rendez-vous réguliers. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les élus présents et les techniciens de l'agglo, avec les maîtres d'œuvre, étaient là pour aménager en même temps que les entreprises cet équipement, mais également être force de proposition, trouver systématiquement des solutions tout en respectant un délai très court, puisqu'on avait un enjeu de délai qui était vraiment serré, mais également un enjeu financier. On a 30 millions et pas plus, et le délai est quasiment respecté. Spontanément, je vais vous dire l'arrivée des bassins et la mise en place des bassins en inox. C'est très technique, très joli, mais très précis. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de curiosité à découvrir cette nouvelle technologie. J'ajouterai également un élément marquant et qui est encore et qui sera toujours visible, c'est l'arrivée du mât, qui marque l'entrée de Aquamallo, mais qui aussi marque l'entrée du parc Atalante et qui est vraiment un révélateur du travail que l'on a fait. Enfin, et ça, ce n'était pas du tout prévu, et c'est la pandémie de Covid-19 qui a mis un arrêt très rapide au chantier, et j'avoue que la présence des entreprises locales, en particulier d'une équipe de l'agglo disponible et d'une maîtrise d'œuvre, ainsi que des élus toujours prêts à trouver des solutions, tout ceci a fait que le chantier ne s'est pas arrêté et que chacun est revenu sur son travail en respectant des flux de circulation et une programmation et une organisation qui a été la même du début jusqu'à la fin. Et grâce à ça, on a réussi à ouvrir. On va ouvrir le bâtiment au mois de juillet, passé le déconfinement. Bien sûr, on a vu les associations, les clubs qui utilisaient avant l'équipement municipal qui était la piscine du Nord. On a aussi vu les scolaires, hein, puisqu'on nous souhaitait que vraiment toutes les personnes, toutes les associations, mais aussi dans l'enseignement,
puissent profiter d'un équipement qui soit le plus confortable pour eux à partir du moment où ils arrivent sur l'équipement et à partir du moment où ils en partent. On a vraiment fait un gros travail avec les associations pour effectivement connaître leurs besoins en locaux, donc pour leurs pratiques journalières et puis hebdomadaires, mais aussi pour l'organisation de compétitions, puisque Aquamalo recevra, on l'espère, le plus de compétitions possible durant l'année, hein, en collaboration avec le délégataire, bien évidemment. On a été loin et pas loin, puisqu'on s'est baladé en France un peu, on a été au Luxembourg, on a visité les grosses piscines et puis les piscines un peu récentes, on a fait les gros salons, hein, de la piscine qui sont à Paris et à Lyon. Alors effectivement, on a trouvé des choses assez fabuleuses, hein. Les piscines ont beaucoup évolué depuis 10 ans, puisque beaucoup de projets municipaux ou d'agglomération sont sur les piscines, en équipement sportif du moins. Vous découvrirez ce toboggan animé, digitalisé, dernière génération, dernier cri, dont on est le seul équipement en France à avoir. On a choisi un bassin olympique, puisque effectivement l'ancienne piscine, enfin, la piscine du Nez, était équipée d'un bassin 8 couloirs en 50 mètres. C'était vraiment un choix fort, un choix coûteux. Mais on a voulu aussi que ce bassin soit le plus modulable possible pour qu'effectivement on puisse dans ce bassin avoir plusieurs usages. C'est pourquoi nous avons choisi un aileron qui peut couper ce bassin en deux bassins de 25 mètres et un fond mobile. Alors pour plusieurs raisons ce fond mobile, d'abord parce qu'on reçoit du scolaire et beaucoup de scolaires sur l'agglomération de Saint-Malo, mais aussi parce qu'on a des personnels et des personnes handicapées, ce qui nous permet d'accueillir beaucoup plus facilement voilà, ces personnes, puisque ce fond mobile peut complètement sortir de l'eau, donc un accès privilégié effectivement pour les personnes à mobilité réduite. J'ai hâte de venir ici moi-même avec mon petit-fils à qui je suis venu montrer de façon un peu incognito le grand toboggan et qui me parle du toboggan tous les jours.